think life as you know it in Molenbeek, is it going to change now? Il y a des mosquées qui sont connues, avec lesquelles la commune entretient des relations. Hein. On se rencontre, notamment pour organiser le Ramadan ou l'Aïd. Il y a un conseil de 15 mosquées. À côté de ça, il y a 4 mosquées qui, elles, sont reconnues par l'État. Ce sont des mosquées qui sont financées aussi par l'État, notamment pour payer leur imam. Mais à côté de ça, vous avez des mosquées qui ne sont pas connues, des mosquées qui ne souhaitent pas avoir des relations avec les autorités communales, et c'est leur liberté d'association. Mais je crois que maintenant, on doit être beaucoup plus vigilant. Il faut véritablement déterminer, enquêter pour voir si au sein de ces lieux de rencontre, de ces lieux de prière, il y a des discours de haine, des discours radicaux, violents, qui y sont tenus. Moi, dans la liste que j'ai, il y a 30 personnes qui sont parties pour la Syrie. Le contexte socio-économique, les prédicateurs fondamentalistes et la délinquance, ce sont les 3 ingrédients qui, à mon sens, ont poussé dans ce quartier des jeunes à se radicaliser très rapidement, et ça je pense que c'est aussi avec les réseaux sociaux, et à tomber dans la radicalisation violente avec ces actes de terrorisme. Alors les attentats de Paris, c'est un électrochoc. Hein, je dis, il y a un avant Paris, un avant 13 novembre et un après. Et donc nous devons nécessairement nous réunir, travailler avec plus de conviction sur ce quartier, avec des programmes, notamment des programmes d'éducation et de formation pour ces jeunes. Il faut aussi travailler sur des mesures de sécurité par rapport à la délinquance. Il faut véritablement que la police fédérale, la justice, viennent ici nous aider à éliminer cette délinquance.